Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salah Eddine Mezwar, s'est entretenu jeudi à Rabat avec le président de l'Assemblée albanaise, Ilir Meta. C'était l'occasion de faire un tour d'horizon sur l'état de nos relations et sur les priorités sur lesquelles nous devons agir compte tenu de l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. Trois priorités ont été fixées. Un, signer l'accord de suppression de visa pour la facilitation de mouvements entre les deux pays. Le deuxième, c'est l'accord de protection mutuelle des investissements. Et le troisième accord est celui en relation avec la non-double imposition. L'Albanie soutient clairement l'intégrité territoriale du Maroc, que nous érigeons en gage de stabilité dans l'ensemble de la région. Je suis également convaincu que les relations excellentes entre nos deux peuples amis doivent se traduire en des résultats plus concrets en faveur des intérêts des deux pays. Se félicitant de la position ferme et sans équivoque de l'Albanie en faveur de l'intégrité territoriale du royaume, Mezwar a affirmé que cette attitude démontre combien ce pays est conscient des enjeux de la région et qu'il est au fait de ses réalités historiques et géostratégiques.